Bon, je m'appelle Jean-Léon, je suis de la société SWAT, comme Mathieu qui est là. Et ce soir, je vais vous parler de la programmation par contrat, qui est une idée qui est née en 1986. J'avais 5 ans et il n'y avait pas d'ordinateur à l'école. Du coup, j'ai découvert un peu plus tard. Afin de vous expliquer vraiment pourquoi c'est utile, pourquoi ça peut servir à vos projets, je vais donner un exemple introductif et je suis sûr que tous les développeurs, vous avez eu le même problème, où vous écrivez du code que vous commentez largement pour éviter toutes les erreurs aux personnes qui vont le reprendre après. Vous commitez, 2 mois après, c'est le drame, vous vous rendez compte en débuguant que les gens ont complètement négligé vos commentaires, vos mises en garde et que en fait c'était déjà écrit dans le code. C'était donc des bugs prévisibles et du coup un peu bêtes. L'idée forte des contrats, c'est de figer le comportement, les contraintes et du coup le contrat dans le code, mais absolument mieux. Si la personne les respecte, il va absolument rien se passer. Si la personne ne les respecte pas, vous aurez une erreur à l'exécution qui dira: attention, t'as pas respecté tel contrat, merci, fais un peu plus attention. Ça, c'est pourquoi, pour figer le comportement du code. Maintenant, sur la façon de le faire, vous avez 3 outils dans les contrats. Précondition, par exemple, sur une fonction racine carré, si vous n'avez jamais vous avez du temps à perdre et que vous voulez la réimplémenter, vous pouvez dire: j'ai besoin que le paramètre en entrée, précondition, soit positif. Si jamais tu mets une valeur négative, à l'exception, ça va être la catastrophe. Post-condition, c'est ce qui va se passer, comme son nom l'indique, après. Sur l'exemple de la fonction racine carrée, prenez le résultat, prenez son carré, et c'est censé vous donner le paramètre. Du coup, la post-condition, c'est de dire après l'exécution, qu'est-ce que j'offre? Et là, vous avez une condition logique que vous pouvez exploiter. Si jamais ce n'est pas le cas, vous aurez une erreur aussi. Ça, c'est 90% de vos besoins. Vous ferez peut-être usage de ce qu'on appelle les invariants. Précondition avant, postcondition après, invariant. Vous avez des invariants de type, quand vous dites un poisson rouge, c'est un poisson qui est de couleur rouge. Invariant de type. L'invariant de méthode, si vous appelez une variable compteur, il y a de bonnes chances que pendant votre méthode, ça compte quelque chose. Tout ça, vous l'exprimez de différentes manières en fonction du langage et c'est filé dans le code. Et là, vous pourriez être tenté de me dire: tout ça pour lever une pauvre erreur sur le code, ça fait quand même cher d'apprendre un nouveau paradigme. Des langages, un langage en fait, Spark, qui est très utilisé dans la biologie, permet d'établir 2 choses. Le code va être analysé. Si jamais l'outil découvre un contre-exemple, il va essayer de vous le présenter. Donc vous aurez déjà une sorte de premier audit avec les erreurs plus ou moins évidentes. Spark est gratuit. En tout cas, on va se mieux. Ensuite, vous pouvez utiliser l'outil pour faire de la preuve formelle de code. Si ça veut vous rassurer, toutes les compagnies d'aviation civile, celles qui produisent l'aviation civile, ont trouvé des parties critiques de leur code, ce qui explique aussi qu'il y a très peu d'accidents en avion. L'idée de la preuve formelle, c'est que vos contrats, une fois qu'ils sont admis, vous pouvez les enchaîner, c'est de la logique, et vous pouvez prouver au lieu d'une méthode ou d'une fonction, des combinaisons de méthodes de fonctions, et au fur et à mesure, des parties de plus en plus grandes de code. Est-ce que ça veut dire que depuis 1986, c'est l'invention du contrat, ça aurait dû exploser, ce qu'on aurait dû arrêter les tests unitaires? Le fait que vous ayez une exception à l'exécution, c'est un mécanisme à peu près connu. C'est un mécanisme connu sur les développeurs, ça n'a pas arrêté le test. Et même pour les outils qui permettent la preuve formelle de code, vous avez dans les normes d'Avionique, par exemple, l'obligation de réaliser des tests. C'est un outil complémentaire, mais ce n'est pas un outil qui se substitue au test. C'est un paradigme assez général. Plusieurs langages ont décidé de l'implémenter.
Les javaïstes, vous avez comme toujours en Java une quinzaine, une vingtaine de frameworks pour répondre à la problématique. Pour nos amis .netistes, vous avez un outil merveilleux qui s'appelle Code Contract. Vous avez 4 heures sur Pure Insight qui vous permettront d'aller au fond des choses. Pardon ? Tu sais que ceci, là, j'ai mis de. Je ne peux offenser personne, j'ai mis de la mettre 4. Mais rassurez-vous, c'est probable que dans le langage de prédiction, ça existe aussi. Amis pythonistes, rassurez-vous, vous avez ça. Vous l'avez également dans un langage qui s'appelle Ada, qui doit rappeler à certains de mes souvenirs de Pâques. Et d'ailleurs, la démonstration qui va suivre sur la programmation, par contre, par ce frappant, si la partie théorique vous intéresse, vous avez cet article qui est très bien pour comprendre ce que c'est que la génération de contre-exemples. Et vous avez également Correctness by Construction, qui est une idée un peu plus forte que les contrats. C'est comment on peut utiliser cet outil pour avoir des logiciels qui, dès l'écriture, sont corrects. Et maintenant qu'on a bien vu la théorie, je vais vous présenter ça en Nada 2012. 3.30. Là, vous ne me voyez plus, mais c'est normal. Alors, c'est pas encore publié, mais j'ai bon espoir. L'exemple que j'ai pris pour la programmation par contrat, ça va être un truc assez simple. C'est une liste d'entiers. Oui, ils sont fous, en fait. C'est une liste, tout ce qu'il y a de plus classique avec fonction taille, la possibilité d'ajouter des fonctions get. Et comme c'est une liste chaînée, là normalement au fond vous devrez voir le fait qu'on libère la mémoire. Voilà. Un truc assez basique, ça ressemble bien à un exercice de Doug en fac. Et vous avez une partie de l'implémentation pour les gens en premier rang. Et maintenant, voici un premier contrat. Je fabrique une liste d'entiers. J'ai donc une fonction qui va me renvoyer une liste vide. Fonction classique récurrente du constructeur. Pour les adeptes de la programmation. Ouais, désolé, j'ai regardé. C'est dur. Les joies du direct. J'ai une première post-condition qui est le résultat de mon constructeur, ce sera une liste vide. Possibilité de la programmation par contrat, et ça paraît assez naturel sur une post-condition, donc après l'exécution, je veux pouvoir utiliser mon résultat. Vous pouvez le faire en C# comme en Java, la syntaxe est différente, mais la moindre des choses, c'est sur une post-condition d'avoir la possibilité d'avoir une condition logique qui porte sur le contrat, sur le résultat. C'est la procédure append qui ajoute un élément à la fin de ma liste. Vous avez également une condition, une post-condition. Au fond ajouté, vous gardez les mêmes premiers éléments, si vous ajoutez à la fin. Vous augmentez la taille de 1. Les éléments en début de liste restent les mêmes. Et le dernier élément de la liste, c'est le nouvel élément. Vous avez avec le lhold dans la quatrième ligne, en comptant les commentaires, la possibilité de comparer la liste avant et après. Vous avez également une expression quantifiée, le for all, qui vous permet d'avoir des conditions intéressantes sur des éléments qui sont variables en nombre. Ça vous rappelle de la logique du premier ordre et du coup ça nous ramène à ce que je vous disais au début sur les possibilités d'utiliser la programmation par contrat pour la preuve de code. J'aimerais, avant la fin de mon temps imparti, vous montrer une précondition
pour la fonction get, qui étant donné une liste et un index, va vous renvoyer l'élément à cette position. Ici, j'ai une précondition qui est obligatoirement une source d'erreur. Si vous ne le mettez pas, vous aurez toujours un ou une programmeuse. L'index doit être inférieur strict à la taille de la liste. Programmation par contrat, vous avez pré, post et... un type invariant, quand même. Là, il se trouve que c'est une liste par tableau. Vous avez ici un invariant qui me dit ma liste par tableau qui est construite avec la taille. Bah, l'idée, c'est que la taille de la liste soit toujours inférieure au nombre d'éléments du tableau, c'est par construction. C'est un invariant de type, c'est ça ? Pardon ? C'est un invariant de type ? Ouais, tout à fait. Ça a été rapide, les 10 minutes sont passées beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. C'est pas. En conclusion, je voudrais déjà remercier Mobicide et Louis d'être venus. Et je voudrais vous dire aussi que la programmation par contrat, c'est pas un truc complètement fou sorti du cerveau d'un universitaire aussi fou. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, pourra vous être utile sur des projets un peu costauds où vous avez un besoin minimum de sûreté logicielle. Merci beaucoup. Ou c'est moche. Voilà. Et bon. Est-ce que vous avez des questions sur la programmation par contrat ? Concrètement, quand est-ce que les contraintes sont vérifiées ? C'est il y a une phase de vérification ou c'est pendant l'exécution normale du programme ? C'est pendant l'exécution normale du programme. En .NET, par exemple, tu auras une première phase où tu vas utiliser ton code en phase de recette. Là, tu auras tes contrats qui vont t'aider, et après, sur la partie mise en prod, tu as une option, juste un petit décoché magique à faire, et là, le code sera compilé sans contrat. Ça les accepte, toi. Exactement. Okay. En parlant de ça, pourquoi ne pas juste utiliser des conditions de garde et des accepts au lieu de se faire chier, entre guillemets, avec ça? Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est la vérification de la preuve du programme, ou il y a autre chose? Il y a autre chose. Il y a la preuve de programme notamment. Ça veut dire que dans l'exemple que tu donnes, déjà tu ne pourras pas le faire sur une interface, puisque l'essence de la programmation défensive, c'est que tu vas le mettre dans ton code. Ensuite, ça veut dire que tu auras une partie peut-être copier-coller de code de si tu as une implémentation de ta même interface, tu as envie d'avoir les mêmes conditions de garde, et ça c'est toujours intéressant. C'est quand tu développes aussi des libraries. Et que tu files ta librairie à d'autres pour l'utiliser, s'ils font après une compilation statique et qu'ils n'utilisent pas forcément dans les bonnes conditions, tu vas avoir un certain nombre de messages d'erreur. Même si ton programme il va pouvoir tourner, tu auras une liste d'erreurs ou de warnings qui te diront bah, tiens, tu peux faire ça mieux, tu peux faire ça mieux, etc. pour encourager celui qui va utiliser ta librairie à l'utiliser de façon de meilleure façon. Tu auras une erreur. Là, en fait, quand on dit programmation par contrat, c'est plus un concept ou c'est forcément d'utiliser des outils? Si moi, par exemple, je me dis, je m'oblige, par exemple, qu'à chaque fois, au début de ma vidéo, je vérifie mes entrées, à la fin, je vérifie mes sorties, est-ce que je fais de la programmation par contrat ou pas? J'ai envie de te dire oui. Sauf que je n'utilise pas d'outils. Non. Donc, ce n'est pas très efficace. C'est comme l'exemple des commentaires. J'allais dire, tu peux faire du .NET avec une jolie interface hyper chiadée, mais oui, sur le fond, c'est ça qui marche. Non, c'est, voilà, enfin, le concept, c'est quand même l'idée de vérifier ses entrées, vérifier ses sorties. Oui. À partir de là, on dit. Tu peux avoir des repositories de code qui te forcent en fait à mettre les bonnes options, et jamais tu pousseras ton code si jamais tu n'as pas mis les bonnes options. Donc, il y a aussi ça, il faut une certaine discipline à un moment donné. Les enfants de 8 ans, ils sont fans. Ils m'ont dit, ça peut péter une exception. Ouais, bravo. Ouais, en termes de perte, ça coûte pas trop. Ça coûte. Non, ça coûte, mais que ça soit en Java, tu peux désactiver. Tu peux regarder les fonctionnements en Java, c'est possible. Tu peux désactiver sur la mise en prod, tu peux recompiler ton projet sans les contrats. En Java, c'est possible, et en .NET, c'est possible. Après, j'ai pas mesuré, j'ai pas de statistiques à te donner. Ça va coûter, c'est sûr.
et même sur le sur l'ADA, sur les. Si tu as par exemple un contrat avec un accès en base, parce que rien n'est interdit de faire ça là, clairement tu vas prendre un compte des performances. J'ai envie de faire le lien avec les tests unitaires. Avec les tests unitaires, on a la notion de test-driven development. Faire les tests unitaires avant. Est-ce qu'il y a la même chose avec, avec la programmation par contrat? Je crée un contrat qui va échouer, ensuite je l'implémente pour vérifier qu'il fonctionne. Est-ce qu'il y a cette même philosophie? Eiffel a une idée géniale. Par contre, c'est une espèce de droit à la licence. C'est des outils qui, à partir de ton contrat, te génèrent des tests unitaires. Ah oui. Par rapport aux tests, sur un usage disons standard où tu ne vas pas avoir des outils de preuve de code ou de génération de contre-exemple, ce que ça t'amène, c'est au fond une sorte d'exception un peu plus retravaillée. Du coup, oui, je suis persuadé que test driven, tu vas être obligé de le faire en complément. Ah oui. Si tu as une équipe qui est arrivée assez à maturité de fin du test driven, garde-le, c'est une chance. Ah oui, parce que les contrats, pour qu'ils soient vérifiés, il faut que le code soit exécuté. Donc les tests, ils sont forcément exécutés. Ouais. Les deux vont bien ensemble, en fait, c'est ça? C'est ça. Ouais. Là, pour l'instant, par contre, on a quel genre de... À quel client serait intéressé à payer le coût de faire des vérifications en plus? J'avais jamais trouvé un qui était intéressé par la programmation par contre. Mais on s'en sert vraiment sur les systèmes critiques. Parce que là, un bug, c'est 10, 20, 1000 morts. Vous avez pu mettre en jeu, je pense que c'est juste une vitale. Mais pas suffisant. Aucun plus. J'ai apporté un petit complément à une anecdote. La ligne 14, par exemple, je sais que tu pilotes la ligne. Bon, c'est pas exactement la première fois que c'est un peu le même principe. Le logiciel a été vérifié, enfin, a été prouvé comme étant correct. Quoi. D'application qui nécessite ce mécanisme la vérification des programmes avec la méthode B maintenant il fait référence par rapport au projet BDA c'est à mon avis c'est différent, c'est subtilement différent par rapport à la programmation design de contrat de faire prendre BDA. Merci. Comment? Ah ok, merci. Actuellement, je suis formateur ici au Conservatoire national des arts et métiers. Sur le sujet? Sur ce sujet? Non, pas spécialement. Non, c'est... Mais disons qu'il y avait une équipe justement qui travaillait sur le projet BDA qui se trouvait au laboratoire Cédric, juste à côté, au Conservatoire national des arts et métiers. Peut-être que vous connaissez certainement. Il y a d'autres questions du coup Dernière, si je peux me permettre. Est-ce que c'est pas un peu lourd de rajouter la programmation par contrainte au point de vue du développement? Par exemple, si je veux refactorer, il va falloir que je fasse plus de travail que si je ne les avais pas. Je pourrais te renvoyer exactement la même question sur des thèmes comme du BDD, où là, un refactoring. Ça va te coûter forcément plus cher dès que tu touches un scénario de métier. C'est plus difficile à... Je pense que oui, tu as raison, c'est plus cher. Ça nécessite de mieux former les équipes. Après, c'est savoir si ton projet justifie le coût que tu acceptes généralement. J'utilise des approches pas identiques à avoir un petit temps, mais c'est plus un peu plus que le scope de ce soir. Et je trouve que c'est une super sécurité quand on le fait pas. Parce que du coup, le code que tu bouges, bah, tu le bouges avec ces contrats, et si le gouvernement te remet ou avec ces nouvelles conditions en cours, tu vois qu'il y a des contrats qui pèsent, bah, au contraire, je trouve que tu gagnes vraiment du temps en le faisant avec n'importe quelle méthode un peu utile et un peu bien faite de test de contrat ou tout ça. Parce que du coup, t'es vraiment sûr de ce que tu fais. J'ai fait un changement assez incroyable, sans doute d'avoir le mettre en prod, sans poster, etc. Des trucs un peu chouchou. Et cette méthode de test a été remplie que le client n'avait pas dans les 10 minutes, parce que dans ce cas-là, on verra que j'ai 200 personnes si c'est malheureux. Et aucun problème. J'avais juste tellement confiance dans le fait de comment c'était construit,
qu'un truc redoutable va passer comme ça. Je pense que c'est une tendance. Merci.